kama wewe unabeba balo njoo kufanya milong ifo mwenzake kwa toka unenda mwenza fungula fungula Tushende shibote kule njoo tafaa milong utazu fungula kuna fungula kule na fungula njoo tafaa milong ale anapeleka ta pale tunacheza. Voilà toute la matière qu'il fallait donner. L'entraînement à l'île. Après, tiens, préparation jusqu'à ce qu'on arrive. Les exercices, c'est tout ça. On a pas ce que vous comment vous faites une année? Reprise. Comment vous faites un centre? Comment vous faites une reprise? On a pas ce que vous avant. Avant, il y a une situation. Parce qu'il ne peut pas réaliser la situation. Quand on a un exercice, comment utiliser les gestes? Comprenez ça? C'est ça la démarche pédagogique. On revient toujours sur exercice pour préparer la situation et qui va nous amener vers le jeu. L'échauffement, ce n'est pas l'entraînement. C'est une activité préliminaire. Ce n'est pas dans l'échauffement qu'on fait l'apprentissage. C'est ce que je veux que vous compreniez. Tu peux faire un échauffement de 5, 6, 7 minutes. L'important est que le joueur ait élevé la température des muscles pour éviter les blessures. Et que sur le plan psychologique, que l'on soit prêt à fournir des efforts. Mais l'apprentissage, c'est quand vous commencez G1, analytique, etc. C'est là qu'il y a l'apprentissage. Échauffement, prenez ça comme une activité préliminaire. Petite activité, et puis préparez le corps à l'effort, fini. Si tu es dans l'analytique, exercice. Présenter situation de jeu et revenir vers les jeux. Voilà l'approche pédagogique qu'on est en train de vous enseigner pour les 13-15 ans. Moi, j'insiste là-dessus. Je veux que vous puissiez bien mettre ça dans votre tête. Exercice. Aïe, Koufouania, il est quasi tout qu'on a besoin. Centre. Aïe, centré. Comment on centre? Quelle doit être la position du corps? Le buste, le pied d'appui? Le pied qui va centrer, Ikodje. Dès qu'il a su comment centrer, maintenant, situation de jeu. C'est une passe qui vient de l'intérieur vers l'extérieur et centre devant un but. Et cette situation de jeu, vous le ramenez dans le jeu, match. Est-ce que c'est vraiment, vous ne comprenez pas ça? C'est difficile. Qui a manqué dans son échauffement? Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce qu'il y avait les exercices organiques? Il y avait des exercices organiques, oui, échauffement yak. Il a fait courir des enfants de l'autre côté? Oui ou non? Est-ce qu'il y avait des exercices?